Alors, c'est une série adaptée de La Peste de Camus, sous forme d'un thriller d'anticipation. Et c'est adapté de façon dystopique, c'est-à-dire que La Peste de Camus se passait en Algérie dans les années 40, et là, on est en 2029 en France. Je suis très heureux et très fier de vous accueillir dans notre belle cité. L'approche dystopique, je trouve qu'elle permettait à la fois de traiter des sujets de fond, qui sont les sujets de la peste, et du coup de trouver une résonance par rapport aux enjeux d'actualité, notamment après la crise du Covid. La peste, c'est un ouvrage qui... C'est une métaphore, finalement, des fléaux de ce monde, des fléaux qui peuvent être le racisme, qui peuvent être le totalitarisme, qui peuvent être, de façon plus moderne, par exemple, les dérives de la télésurveillance. Tiens, tu me fais un zoom sur la vieille peau, là, s'il te plaît. C'est vrai que de l'adapter en dystopie, je trouvais ça assez... assez fin, parce que ça permettait à la fois de garder les fondamentaux du roman, les personnages principaux, et en même temps d'en introduire de nouveaux, notamment des personnages féminins. Ouais, toi ça va au journal? C'est de plus en plus tendu pour nous, hein. Le gouvernement central nous fout une pression monstrueuse, je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer comme ça. Et toi t'avances sur tes disparus? Ça renforce, je dirais, aussi l'intrigue du récit. Sinon il y a une maladie un peu bizarre là, qui est en train de flamber, t'es au courant? Je vous avoue que ce que j'ai surtout fait, c'est relire le roman. C'est quand même un ouvrage qui est assez complet. Il y a plusieurs centaines de pages, je crois, peut-être 400 pages, un truc comme ça. Donc, en fait, simplement le roman, la matière écrite, est extrêmement riche. Il y a un mois, dans une déchetterie, on a découvert les cadavres de 3 migrants carbonisés. Un mois plus tôt, c'était des sans-papiers égorgés dans les égouts. Il y a aussi des prostituées des deux sexes qui ont disparu sans laisser de traces. Ça fait un an. Un an qu'il y a des disparitions inexpliquées qui se multiplient comme ça. C'est un journaliste d'investigation, Rambert, le personnage que je joue. Donc c'est, est-ce qu'il continue son enquête? Est-ce qu'il fait en sorte de mettre les choses au grand jour? Est-ce qu'il lutte? Est-ce qu'il se bat? Ou est-ce que finalement, il pense à lui et à son bonheur personnel? Donc c'est la grande question de l'intérêt général et de l'intérêt personnel. Moi, je trouvais ça assez passionnant. Et c'est vrai que pour construire ce personnage-là, il fallait, pour moi, creuser ce dilemme. Ce dilemme-là, qui est très présent dans le roman. Je vous présente Laurence Molinier, infectiologue surdiplômée. Arrête. C'est ma fiancée par la même occasion. Enchantée. Enchantée. Moi, j'ai profité de l'enquête de Sylvain pour venir saluer le professeur Castel, mon mentor. Je dirais qu'il est vraiment divisé entre son... quelque part, sa noblesse d'âme, sa volonté de changer les choses, sa volonté de mettre au grand jour des choses qui sont cachées ou dissimulées par un pouvoir en place. Et en même temps, il est confronté à une réalité, ce que Camus appelle l'absurde, c'est-à-dire hein, quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Et là, en l'occurrence, c'est l'amour qu'il a pour une autre personne. Une question très, très importante, maman. On s'embrasse ici ou sur le quai? Et ce personnage-là, ce qui me plaisait vraiment, c'est qu'il a cette complexité qui est très réel. Il a peur de perdre un être cher, et quand ça vous arrive, effectivement, ça passe devant tout le reste. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on agit? Et je trouve que, ben voilà, ça me passionnait, de jouer un personnage qui n'est pas l'un ou l'autre, mais qui est justement à la croisée de ces deux chemins. Vous devriez savoir qui est derrière tout ça. Vous avez sûrement une idée. Et quand bien même, qu'est-ce que ça va changer? Vous aurez votre scoop, vous rentrerez à la capitale, et rien ne bougera dans cette ville où ils étouffent tout. Le casting qui a été réuni, moi, c'est que des acteurs pour qui j'ai vraiment de l'admiration. Et c'est énorme, hein. Je ne sais pas combien il y a de rôles, mais il y a une trentaine de rôles, je pense, qui sont conséquents, qui existent vraiment à l'écran, et où chacun de ces acteurs a des vraies partitions à jouer. Et c'est très plaisant. Moi, j'adore les acteurs et les actrices, donc... C'était vraiment génial. La première analyse génétique révèle qu'il s'agit d'un variant de la souche, Yersinia pestis. Yersinia pestis? La peste, vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est bien la peste.